Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. La communauté anglophone du Cameroun propose des voies de sortie de crise. Des propositions formulées à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en visite à Bamenda, chef-lieu de la région. En Côte d'Ivoire, les élections locales sont prévues avant la fin de l'année 2018. Des scrutins qui se passeront dans un contexte où la commission électorale est contestée par l'opposition, dont une partie entend boycotter les scrutins. Et puis, interdite depuis 2011 en République du Congo, les sacs plastiques continuent de polluer le pays. La question a fait l'objet de la 46e journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin sous le thème « Combattre les déchets et plastiques ». Mais tout d'abord, en Tunisie, le ministre de l'Intérieur, Lofti Brahim, a été limogé ce mercredi par Youssef Chahed. Le chef du gouvernement entreprend ainsi de faire le ménage au sein de son gouvernement avant le remaniement ministériel prévu en début de semaine prochaine. Mais cette décision intervient en pleine controverse après la mort de plusieurs dizaines de migrants au large de Kenkera. À 56 ans, l'ex-ministre de l'Intérieur a été nommé le 6 septembre 2017. En attendant la nomination de son remplaçant, c'est le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, qui va assurer l'intérim. L'abolition de la loi sur le terrorisme, l'ouverture du débat sur le fédéralisme sont entre autres les propositions pour une sortie de crise dans la zone anglophone au Cameroun. Après Boya, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme s'est rendue à Bamenda pour une mission d'écoute auprès des populations. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme revient de Bamenda au Cameroun avec des propositions de solutions pour une sortie de crise dans la zone anglophone. Après 3 jours de discussions avec les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, les populations de Bamenda souhaitent l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme, une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise, entre autres. Je vais dire même qu'il y a beaucoup d'anglophones qui pensent que qui sont favorables au fédéralisme que la séparation. Donc, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, savoir que, bon, ils peuvent gérer les ressources. Parce que beaucoup des anglophones aussi pensent qu'ils ont déjà mal les ressources qui est les régions anglophones. Donc, si on peut rentrer à fédéralisme, je pense que ça sera une très, très bonne chose. Et je pense que ça va vraiment calmer la tension. L'instauration de la double nationalité, mais aussi le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo au pays font aussi partie des propositions de sortie de crise. Pour les acteurs politiques, les propositions de la commission du bilinguisme vont dans le bon sens. Mais pour ces derniers, l'État devrait penser au retrait des militaires dans ces zones. On a affaire à nos propres concitoyens. Donc on ne peut pas envoyer des militaires face à des citoyens dont la plupart ne sont pas armés. C'est vrai qu'il y a quelques petits groupes de bandits et de je ne sais pas quoi, on parle de sécessionnistes, je ne les vois pas. Et aussi, il y a aussi d'autres personnes qui, par des massacres commis par l'armée et parfois inutiles, ces gens se rebellent. Donc il est temps de s'asseoir, d'avoir un dialogue franc avec tous les Camerounais et de savoir que le pays ne peut plus continuer de cette façon. Il faut un changement réel, de fond. Au-delà de ces nombreuses propositions pour une sortie de crise, les populations anglophones ont lancé un appel au président de la République, Paul Biya, pour qu'il effectue une visite dans ces régions. Créée le 23 janvier 2017, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme est un organe consultatif chargé d'œuvrer pour la promotion de la paix, l'unité du pays. Il succède officiellement à Olivier Maréchal à la tête du gouvernement malgache. La passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre et son successeur Christian Tsai a eu lieu ce mercredi. Premier ministre de consensus et son gouvernement, ils auront la responsabilité d'organiser l'élection présidentielle anticipée. Une proposition de la Haute Cour constitutionnelle suite aux manifestations de l'opposition pour exiger de nouvelles lois électorales. Les élections locales se tiendront avant la fin 2018 en Côte d'Ivoire. Après avoir boycotté les sénatoriales de mars 2018 pour le déséquilibre de la commission électorale, plusieurs partis de l'opposition ivoirienne adoptent la même attitude pour les élections locales à venir. Les partis de la majorité présidentielle, quant à eux, prendront part à ces consultations électorales. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliver Diakoton.
En Côte d'Ivoire, certains partis d'opposition annoncent déjà un boycott des élections locales prévues pour la fin de l'année 2018. En plus de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, composée de plusieurs partis politiques dont le Front populaire ivoirien Tendance Sangaré, le parti centriste Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage s'inscrit dans cette dynamique de boycott. Ces partis réclament une réforme de la commission électorale indépendante. Notre position ne change pas sur la commission électorale, sur le vote. Notre position ne change pas. Les élections à venir, si elles ne changent pas, nous n'aurons pas de candidats. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir composée désormais de 7 partis politiques, participera à ces municipales et régionales de fin 2018. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par exemple, est déjà en ordre de bataille pour les élections locales, mais surtout pour la présidentielle de 2020, malgré la récente déclaration du président Ouattara s'exprimant sur l'éventualité de briguer un troisième mandat. Les élections qui arrivent, comme je l'ai dit, c'est des matchs amicaux, un prélude de la grande rencontre de la présidentielle 2020. Le plus important, c'est qu'en 2020, le PDCI aura un candidat. Et le plus important, c'est qu'en 2020, nous souhaitons que le président de la République, c'est-à-dire celui qui va occuper le fauteuil présidentiel, soit un candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Notons que la révision de la liste électorale est prévue du 18 au 24 juin 2018. L'enrôlement se fera dans 10 580 lieux de vote et la liste électorale provisoire sera publiée le 19 juillet 2018. Malgré leur interdiction dans plusieurs pays du continent, les sachets plastiques n'ont pas disparu et restent un premier problème environnemental. Interdit depuis 7 ans en République du Congo, son application tarde à être effective. Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin a été l'occasion pour les autorités de tenter de résoudre ce problème crucial pour l'avenir de l'écologie. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La République du Congo a prohibé l'usage des sachets et autres objets plastiques depuis le 1er juin 2011, suite à un décret présidentiel interdisant la production, l'importation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Le pays avait pris une avance considérable sur la question, mais la faiblesse des pouvoirs publics a rouvert la voie à la clandestinité. Après une période de succès dans la mise en œuvre de ce texte, il est aujourd'hui donné à tout un chacun de constater la recrudescence du phénomène des sachets non biodégradables dans nos villes. Ces produits prohibés sont soit fabriqués en toute illégalité sur le territoire national, soit importés des pays voisins et arrivent dans notre pays en utilisant des circuits illégaux. La détermination du gouvernement congolais à éradiquer les déchets plastiques dans les villes du Congo s'était exprimée par le décret pris par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Plusieurs opérateurs privés se sont engagés dans la collecte et la transformation des déchets plastiques afin de porter un coup de pouce au pouvoir public. Les déchets plastiques sont produits par des ménages, par des professionnels, les industriels. Donc nous avions voulu intéresser tout le monde dans toute la chaîne de la population congolaise pour que nous arrivions à récupérer, à racheter ces déchets plastiques-là, moyennant quelque chose. Ça fait l'objet vraiment d'un engouement, surtout pour la population moyenne. C'est une nouvelle guerre que le gouvernement a engagée contre la pollution des déchets plastiques dans les villes congolaises ce 5 juin 2018. Le ministre de l'Environnement a interpellé les administrations publiques, le secteur privé, les populations à mettre en application les dispositions du décret réglementant la production, l'importation et l'utilisation de tout objet plastique nuisible. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.